fasse plus avec toi. Parce que la faveur est là. La faveur est comme l'huile qui se répand que sur notre tête. Alléluia. La faveur est une marque de distinction. Amen. Elle est là. Et quand tu es traité sur la terre d'abord, de cette façon, je vais toujours plus que. Parce que si je ne traite pas plus que, comment sera la démarcation de la faveur? Alors que tout à l'heure, j'ai dit la faveur est une ligne de démarcation entre les gens. Voilà pourquoi, à la moisson, c'est vrai que celui qui sème peu, moi, le récolte peu. Mais dans la semence, c'est aussi la faveur. Amen. Celui qui sème beaucoup avec la faveur de Dieu récolte beaucoup en abondance. Amen. Si par amour, Dieu n'a pas épargné son Fils unique pour aller mourir à la croix, la Bible dit, est-ce qu'il ne donnera pas tout les choses par-dessus tout? Celui qui a la faveur est le plus que. Il a le plus que les gens. Le plus. Le plus. Dieu traitera toujours plus. Alléluia. Dieu fera toujours plus. Dieu donnera toujours plus. Dieu communiquera toujours plus. Voilà pourquoi la destinée est propre à chacun. Parce que le niveau de faveur est différent de l'un vers l'autre. Le niveau de faveur est toujours différent de l'un vers l'autre. Personne n'est entré dans les profondeurs de Dieu pour savoir ce que pense Dieu d'un tel et d'un tel. Quand tu as la faveur de Dieu, tu as le plus que Dieu. Dieu fera toujours plus. Et ma prière à Dieu, quand je disais, Seigneur, fais avec nous cette année plus de choses. Plus de choses, je demande à ce que plus de grâce, plus d'onction, plus de connaissance, plus d'impact, plus de bénédiction, parce que ta faveur réside sur nous. Amen. Quand quelqu'un a la faveur de Dieu, non seulement elle attire les regards, mais elle devient aussi une source de transformation. Parce que quand on parle de nouvelle essence, on parle de transformation, les gens qui viennent bizarres, mais quand tu se reconnais à Sion, ils deviennent des bonnes personnes. C'est là ce que Sion fait. Les gens qui sont bizarres, folles, ils ont des manières bizarres. Mais une fois qu'elles restent avec le Sion, elles naissent de nouveau. Parce que celui qui a la faveur peut transformer les gens autour de lui. Frère, si tu es aux côtés de quelqu'un et que cette personne n'arrive pas à te placer dans les bonnes choses, c'est pas bon. Amen. Parce que quand tu as la faveur de Dieu, tu as la grâce de Dieu, il y a une dimension où que ceux qui se connectent à toi doivent être influencés par des bonnes choses. Il y a des gens quand tu deviens, pire, quand tu commences à fuir ces gens-là. Amen. Tu ne critiquais pas, tu arrives avec eux, tu commences à critiquer. Tu ne mentais pas, tu arrives avec eux, tu commences à mentir. Tu ne volais pas, tu arrives avec eux, tu commences à voler. Amen. Fuis ces gens. Mais ceux qui sont à la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, quand ils sont connectés à eux, tu ne priais pas, mais quand tu es avec lui, il aime la prière, tu sens Dieu de prier. Amen. Tu ne lisais pas la Bible, mais quand tu es avec cette personne, toi, tu sais lire la Bible, parce que tu changes dans le bon. Amen. Et c'est bien pour toi. Amen. Il y a des hommes qui sont formateurs, c'est des écoles. Amen. Amen. Tu vois seulement sa manière d'être, de parler, de faire. Il va plus t'enseigner que même ta Bible. Amen. Et Sion, puisqu'elle a la faveur, amen, elle transforme les gens. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Il y a un temps de fête. Il y a un temps de célébration. Dans la vie de celui que Dieu dépose la faveur. Dans la vie de ceux à qui Dieu dépose la faveur. Il y a un temps de pleurs, c'est vrai. Il y a un temps de gémissement, c'est vrai.